Bah, je supporte. Vas-y, je suis avec toi, vas-y, cours, ouais, tranquille, allez, oh, dommage, il est là, vas-y, ouais, oh non. Salut, c'est Jean-Mimi, et bien, pour être le plus grand supporter de l'équipe de France, je suis venu demander à des vrais footballeurs ce qu'ils pensent de ma tenue, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Déjà le short. Le short, ouais, ça va pas du tout. Ça va pas du tout avec ce beau maillot que vous avez. Okay, et au niveau, je sais pas, du design, du tout design, ça. Du cheveux, j'aime souvent avec un bandeau. Ah, faut que je mette un bandeau. Un bandeau bleu, blanc, rouge. Ah ouais. Et comme ça, de loin, on saisit que ça, c'est bon. On sait que c'est moi. D'accord, ouais. Ok. Vive Paris, quand même. Mais vive Paris. Vive Paris. Et vive la France. Et je suis maintenant avec Raphaël, et Raphaël va nous expliquer comment être le meilleur supporter de l'équipe de France. Alors, Raphaël. Donc pour être le meilleur supporter de l'équipe de France, déjà faut avoir un coq. J'ai un coq là moi. Ah mais le coq c'est pas bon, il chante pas. Faut que j'ai un vrai coq avec faut moi. Avoir un vrai coq. Et comme on peut pas rentrer dans un stade avec un coq, on ne peut pas être le plus grand supporter. D'accord, mais je peux être genre le plus grand supporter dans les bars avec un coq. Ah oui, ou dans la rue avec un coq, dans les appartements avec un coq, n'importe où avec un coq. Ah oui, il faut un coq. Si le coq c'est un peu compliqué, on peut essayer un canari. Tu veux crier allez la France ? Allez la France !